Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur la réalisation du projet numéro 10 intitulé Étude de cas, création d'un prototype et test de la solution de la grille intelligente. Alors, cette vidéo est la seconde partie de ce tuto, essentiellement consacrée à la configuration des équipements que nous avons disposés dans notre réseau. Alors, tout d'abord, nous avons procédé à une segmentation réseau. Et là, nous avons la matrice de la table la table d'adressage de notre TP. Alors, notre réseau IoT, celui-ci, qui sera dans la 192.168.2.0. Là, le réseau routeur Wi-Fi 2, qui sera dans le réseau 192.168.4.0, c'est ça. Ensuite, le réseau smartphone, celui-ci, le réseau dans lequel se trouve le smartphone vers lequel sera envoyé le mail, se trouve dans le réseau 192.168.1.0. Le cloud, lui, se trouve dans la zone réseau 192.168.3.0 et enfin le réseau domestique qui se trouve dans 192.168.0.0. Le réseau domestique, c'est celui-ci, composé du laptop, du PC, de la carte SBC, de la porte de garage et de ce routeur Wi-Fi numéro 1. Alors, nous allons d'abord configurer l'adressage sur le routeur Wi-Fi numéro 1. Alors, nous allons cliquer sur ce routeur et aller à l'onglet config. Une fois rendu sur l'onglet config, on peut changer le nom du routeur à ce niveau. Étant sur settings, on peut renseigner un nouveau nom à ce niveau. Puis nous allons sur les différentes interfaces de notre routeur. Alors, l'interface wireless, nous définissons le SSID à home. C'est le SSID que nous avons choisi d'attribuer à notre réseau Wi-Fi domestique. Ensuite, nous choisissons le mode d'authentification WPA2-PSK et avec pour mot de passe admin en minuscule 1, 2, 3, 4, 5 et le type de cryptage AES. Ensuite, nous allons sur LAN. Nous définissons le réseau LAN à 192.168.0.1 et avec pour masque 255.255.255.0. Ensuite, le réseau Internet, le réseau qui va permettre de sortir, d'amener les données vers l'extérieur, 192.168.3.2, qui correspond bel et bien à ce réseau, avec pour masque de sous-réseau 255.255.255.0, qui correspond au slash 24, et pour passerelle par défaut 192.168.3.1 qui est cette interface gigabit 0 slash 0 du routeur et enfin l'adresse IP du serveur DNS 192.168.2.3 qui est à ce niveau notre serveur DNS. Alors, c'est tout en ce qui concerne la configuration de notre routeur Wi-Fi. Nous allons passer à la configuration de notre carte SBC. Alors, en ce qui concerne notre carte SBC, nous allons cliquer sur celle-ci. Nous allons aller à l'onglet config. Et une fois rendu sur l'onglet config, nous allons à l'interface wireless. Et nous nous connectons à notre SSID, c'est ce que nous avons montré dans la précédente vidéo. Puis, nous venons à ce niveau et nous activons le DHCP pour que notre carte SBC puisse obtenir une adresse IP générée automatiquement par notre routeur Wi-Fi. Une fois que cela est fait, nous revenons à Settings et nous nous rassurons que le gateway et le DNS server ont été correctement configurés.
Puis, nous allons sur notre carte, sur notre PC, nous allons configurer l'interface FastEthernet 0 en activant le DHCP et en obtenant une adresse IP générée automatiquement. Donc, nous cliquons sur notre PC, nous allons sur Config, nous allons sur FastEthernet et nous activons le DHCP ainsi que le Status Port que nous devons activer sur chacune de nos interfaces pour nous rassurer que celle-ci sera active, c'est-à-dire qu'elle permettra l'entrée et la sortie des paquets. Donc, nous activons le DHCP et nous recevrons, nous avons reçu dans notre cas l'adresse 192.168.0.103 au masque de sous-réseau 255.255.255.0. Pour Gateway 192.168.0.1 et pour DNS Server 192.168.2.3. Ensuite, nous allons sur Laptop et nous faisons la même chose avec le wireless. Nous le connectons comme nous l'avons montré tout à l'heure et nous activons le DHCP pour recevoir une adresse. Ensuite, nous allons passer à la configuration du cloud. Alors, la configuration du cloud, ce que nous allons faire, c'est nous cliquons sur le cloud, nous nous rendons à l'onglet config, puis nous nous rendons sur l'interface Ethernet 6. Nous nous rassurons que le provider network choisi soit DSL. Ensuite, nous nous rendons sur DSL. Et à ce niveau, nous choisissons dans la liste modem 4 et Ethernet 6. Un exemple, modem 4, Ethernet 6. Et nous cliquons sur Add. Alors, cette configuration veut dire tout simplement que lorsque notre cloud recevra un paquet entrant vers le port numéro, vers le port, vers l'interface Ethernet, un paquet entrant via l'interface Ethernet 6, alors, ce paquet devra être redirigé en sortie via le port modem 4. Et inversement, lorsque un paquet sera reçu via le port, via l'interface modem 4, ce paquet sera envoyé en sortie via l'interface Ethernet 6. Une fois que nous avons procédé à la configuration de notre cloud, nous passons à la configuration du routeur. Alors, pour cela, nous cliquons sur le routeur. Étant donné qu'il s'agit d'un routeur, nous allons cliquer sur ce dernier. Nous nous rendons sur config et nous allons sur les différents ports qui seront mis en jeu. Nous avons trois ports qui sont mis en jeu. Le port ou alors l'interface gigabit Ethernet 0 slash 0, gigabit Ethernet 0 slash 2, et gigabit Ethernet 0 slash 1. Commençons par l'interface gigabit Ethernet 0 slash 0. Celle-ci, la première chose à faire, c'est de cliquer sur On pour activer le port et ensuite attribuer une adresse IP à notre interface. Donc, dans notre cas, nous avons choisi d'attribuer l'adresse 192.168.3.1 et avec pour masque de sous-réseau 255 3 fois et 0. Gigabit Ethernet 0 slash 1 qui correspond à ce sous-réseau, nous avons attribué la 192.168.2.1 pour un masque 255 255 255 0 et nous activons le port. Et Gigabit Ethernet 0 slash 3, nous activons le port et nous donnons l'adresse 192.168.4.1 pour gérer cette partie du réseau. Une fois que l'adressage est terminé, nous passons à la définition des routes. Alors, la définition des routes, ça veut tout simplement dire que nous allons dire à notre routeur comment se comporter lorsqu'il reçoit un paquet à destination du réseau domestique. Donc, à destination de l'adresse IP 192 du réseau 192.168.0.0 qui correspond à ce réseau-ci. Alors, comment notre routeur doit se comporter? Alors, il enverra tout simplement le paquet
concerne, envoyé vers ce réseau, vers ce port-ci, ou alors vers cette interface, la 192.168.3.2, qui correspond à cette interface. Gigabit Ethernet 0/0. Alors, il enverra via ce port, c'est-à-dire, ou alors via cette interface Gigabit Ethernet 0, le paquet qui va se retrouver directement sur cette interface qui porte bien 192.168.3.2 que nous avons vu à ce niveau. Alors, puis nous avons une seconde route vers le réseau smartphone, c'est-à-dire si nous voulons envoyer, si le routeur reçoit un paquet à destination de ce sous-réseau-ci, alors il devra envoyer ce paquet directement sur ce routeur-ci qui a pour adresse IP 192.168.4.2. Et une fois arrivé sur ce routeur, le routeur saura que le paquet est orienté vers un équipement de ce réseau. Dans notre cas, ce sera notre smartphone. Alors, pour définir ces routes, nous n'avons qu'à saisir ces commandes-ci dans l'interface de notre routeur, dans l'interface de commande de notre routeur. Donc, nous rendons ce CLI. On se rassure que nous sommes à ce niveau. Si nous ne sommes pas à ce niveau, on peut faire soit un exit pour se retrouver là, ou alors, si nous ne sommes carrément pas entrés en mode configuration sur notre routeur, nous allons saisir la commande suivante. Enable configure terminal, nous validons, puis nous entrons cette commande IP espace route IP espace adresse IP du réseau masque du réseau et l'adresse IP de l'hôte adjointe. Donc, colon et nous validons. Nous faisons la même chose avec notre seconde route. Et si aucune erreur n'est renvoyée, ça veut dire que la requête s'est parfaitement exécutée. Alors, il est également possible de configurer ce routage sur l'onglet config et en venant sur la propriété statique et nous définissons, nous entrons les différentes informations sur ce formulaire. Alors, nous entrons là le 192.168.0.0 par exemple, à ce niveau. Pour le masque, nous entrons cette adresse à ce niveau. Et enfin, le prochain hôte, c'est-à-dire 192.168.3.2, nous entrons là et nous cliquons sur Add. Cela a pour effet d'ajouter ce routage à ce niveau dans Network Address. Alors, nous pouvons maintenant passer à la configuration du routeur Wi-Fi numéro 2. Nous cliquons sur notre routeur, nous venons sur l'onglet Config, puis sur l'interface Internet, nous définissons les adresses comme il suit, 192.168.4.2 pour adresse IP, 255.255.255.0 pour masque de sous-réseau, 192.168.4.1 pour default gateway. Il s'agit de l'interface Gigabit Ethernet 0/2 de notre routeur. Et enfin, l'adresse IP du serveur DNS 192.168.2.3. Nous définissons également le réseau LAN en entrant, en changeant la valeur par défaut et s'il le faut, et en entrant cette nouvelle adresse IP 192.168.1.1. Et pour masque, le masque que nous voyons à ce niveau, 255.3.0. Pour le wireless, on peut choisir de changer le SSID et ainsi que affecter une clé à notre SSID, à notre réseau Wi-Fi. Bon.
Nous passons maintenant à la configuration du smartphone. Nous allons sur notre smartphone, nous cliquons dessus. Nous venons à l'onglet config. Nous allons à l'interface wireless. On se le connecte à notre routeur Wi-Fi en entrant le SSID et en définissant la clé s'il faut. Puis nous activons le DHCP pour que notre smartphone puisse recevoir automatiquement une adresse IP se trouvant dans le bon réseau. Alors, si nous revenons à Settings, on voit que le DHCP a été activé également. Le Default Gateway a été bien configuré, ainsi que le serveur DNS qui a été bien configuré. Nous passons maintenant à la configuration de des différents services. Nous allons commencer par le service DNS. Alors, on vient sur le serveur DNS. Et on va sur l'onglet config, puis sur dans la section gateway/dns-ipv4, nous allons sur statique et nous définissons le gateway 192.168.2.1 qui est pour l'adresse IP de l'interface gigabit Ethernet 0/1 et serveur DNS, nous définissons la 192.168.2.3. Ensuite, sur Fast Ethernet 0, nous activons le port à ce niveau et nous définissons une configuration IP statique. Et ensuite, nous entrons l'adresse IP 192.168.2.3 à ce niveau. Si vous avez remarqué, c'est la même adresse que nous avons configurée comme serveur, adresse IP du serveur DNS un peu partout. Alors, nous configurons. Nous attribuons cette adresse à notre serveur DNS parce que c'est lui qui jouera ce rôle. Nous définissons son masque de sous-réseau. Et ensuite, pour effectivement activer le service DNS, nous venons sur l'onglet Services. Nous allons à l'onglet sur le module DNS. Nous activons le DNS en cliquant sur On. Et nous procédons à ces enregistrements. Nous avons fait deux enregistrements, emailserver.com et serveur IoT. Alors, serveur IoT, pour l'enregistrer, qu'est-ce que nous faisons? Je montre, je procède par exemple, saisissons le nom de domaine, par exemple, www.serveuriot.tp. Et nous définissons l'adresse IP qui sera mappée avec ce nom. Et nous procédons à un enregistrement en cliquant sur Add. On voit que notre enregistrement a le type A a été effectué avec succès. Alors, ces enregistrements veulent juste dire que lorsqu'un équipement voudra envoyer un paquet vers un autre équipement s'appelant serveur IoT, alors le serveur DNS indiquera à l'équipement expéditeur de paquet que le serveur DNS le serveur IoT en question est en fait la machine ayant pour adresse IP 192.168.2.3. Et pareil, lorsque nous voudrons envoyer un paquet vers emailserver.com, le paquet sera dirigé vers la machine ayant pour adresse IP 192.168.2.4. Nous passons maintenant à la configuration de notre serveur IoT. Nous cliquons sur ce dernier. Nous allons à l'onglet config, puis à l'interface Fast Ethernet 0. Nous activons le port et nous définissons l'adresse IP du serveur IoT 192.168.2.2 et pour masque, ce que nous voyons là, 255.3.0. Et ensuite, nous venons à Settings, nous définissons le gateway de manière statique 192.168.2.1 et le DNS serveur qui est l'adresse IP du serveur DNS que nous avons configuré ici. Ensuite, nous allons à l'onglet Services, puis sur IoT et nous procédons à un enregistrement, à une activation du service DNS. Et ensuite, nous enregistrons notre utilisateur, l'utilisateur qui sera utilisé par les équipements pour s'enregistrer sur le serveur IoT. Ou alors pour se connecter directement au serveur IoT.
Alors, pour ajouter, comme ceci, un utilisateur, on clique, supposons que nous cliquons sur le serveur, nous allons sur Desktop, nous allons sur Web Browser, nous entrons serveur IoT et nous avons cette interface. Vu que nous voulons créer un nouveau compte, nous cliquons sur Sign Up Now, nous cliquons Admin bis, mot de passe Admin bis, on crée et ça se connecte, ça crée le compte et ça se connecte automatiquement. Pour vérifier, nous venons à Services sur IoT et on voit que Admin bis a bel et bien été créé. Alors, il est également possible d'accéder au serveur DNS, au serveur IoT en entrant juste son adresse IP 192.168.2.2.2.2.192.168.2.2. Et nous voyons que nous naviguons bel et bien dans notre serveur IoT. Alors maintenant, nous allons passer à la configuration du serveur de messagerie ou alors du serveur email. Nous venons sur notre serveur et nous cliquons dessus. Nous allons à l'onglet config et nous définissons les éléments suivants 192.168.2.1 comme passerelle et 192.168.2.3 comme serveur DNS. Et ensuite, nous définissons comme adresse IP 192.168.2.4 et pour masque 255, 255, 255, 0. Et nous activons le port. Une fois que cela a été fait, nous venons à l'onglet Services. Nous allons sur Email et nous activons le SMTP ainsi que le POP3. Service SMTP et service POP3. Nous entrons le nom de domaine emailserver.com et nous définissons deux utilisateurs. Donc nous entrons un username TP AGENLA, mot de passe TP AGENLA et nous cliquons sur plus. Alors ça crée l'utilisateur à ce niveau dans la liste. En fait, il s'agit de l'utilisateur ou alors du compte email qui sera enregistré ou alors qui sera utilisé. Donc, il s'agit là d'un compte email et là également, il s'agit d'un compte email. Maintenant que nous avons procédé à la création de notre Maintenant que nous avons procédé à la création de notre de, à la configuration de notre serveur, de nos serveurs DNS, IoT et email, nous pouvons programmer notre carte SBC via un script Java. Et ce code, c'est celui que nous avons à l'écran. Alors, à ce niveau. Alors, là, c'est la fonction qui permet d'envoyer un email. Cette fonction permet d'envoyer l'email vers un utilisateur. Alors, pour créer ce programme, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons sur notre carte SBC et nous cliquons sur cette dernière. Nous venons sur l'onglet Programming. Nous cliquons sur New. On entre un projet, un nom de projet, test TP Agenla. Et nous choisissons Empty JavaScript comme template et nous cliquons sur Create. Cela crée automatiquement un dossier de projet et avec à l'intérieur un fichier nommé main.js. C'est dans ce fichier que seront écrites les lignes de code de notre JavaScript. Alors, dans notre cas,
Nous avons déjà notre code à ce niveau. Voilà. Nous avons notre code que nous avons copié-collé dans cette interface. Une fois que cela a été fait, nous cliquons sur Run. Là, il est en état en arrêt. Nous cliquons sur Run pour que la carte SBC sache que le programme est déjà entré en phase d'exécution. Alors, nous allons procéder à l'enregistrement également de notre carte SBC sur notre serveur IoT. Alors pour cela, nous cliquons sur config et nous allons dans la zone ou alors dans section, étant dans section, nous allons dans le bloc IoT server et nous activons remote server, puis nous entrons l'adresse du serveur. Là, nous avons entré serveur IoT parce que nous avons déjà mis en place un serveur DNS qui sera capable de résoudre ce nom. Et ensuite, nous cliquons, nous entrons admin comme username et admin comme mot de passe. Il s'agit des paramètres qui ont été définis tout à l'heure. Les paramètres de l'utilisateur qui a été créé afin de permettre ce genre d'enregistrement. Et une fois que les champs ont été remplis, nous cliquons sur le bouton connect et nous patientons quelques secondes que celui-ci passe à refresh. S'il passe à refresh, ça veut dire que la connexion a été établie avec succès et que le compte a été créé. Par contre, s'il ne change pas, s'il reste à connect, ça veut dire que l'équipement n'arrive pas à joindre le serveur IoT ou alors le serveur DNS. Alors, une fois que l'enregistrement a été fait, nous pouvons fermer et nous allons essayer de nous connecter depuis notre smartphone. Pour tester notre configuration. Donc, nous allons sur desktop. Alors, nous allons sur notre smartphone, comme je le disais, nous allons sur l'onglet desktop et nous allons sur le web browser. Nous entrons là, serveur IoT. Nous validons et nous arrivons là. Nous entrons le login et le mot de passe. Nous nous connectons. Là, nous avons notre carte SBC qui s'est enregistrée sur notre serveur, raison pour laquelle nous pouvons la visualiser ici. Alors, si je clique sur cette carte, on voit que la porte s'ouvre. Tout simplement parce que nous avons configuré ou alors nous avons programmé la carte pour qu'elle fonctionne ainsi. Le script Java que nous avons inséré tout à l'heure, c'est lui qui permet de capter les instructions qui sont envoyées à notre carte SBC. Alors, le but de ce TP étant de tester, étant de permettre à un utilisateur de pouvoir non seulement contrôler un équipement se trouvant à son domicile depuis cette interface, mais aussi et surtout de pouvoir être notifié à chaque fois que le garage s'ouvre. Alors, nous allons un peu quitter cette interface. Nous allons venir sur email. Donc, nous allons vider ceci. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons essayer d'ouvrir de nouveau notre porte. Nous allons essayer d'ouvrir. Fermons. Nous allons sur web browser. Nous nous connectons une fois de plus. Serveur IoT. Admin. Nous ouvrons notre porte. Alors nous allons retourner dans email list. Dans email pour voir si nous avons reçu un mail. On voit là que notre mail a été reçu. Il vient d'être reçu. Si nous l'effaçons,
nous effaçons et que nous ouvrons de nouveau. Alors, on peut ouvrir notre porte en venant, en le faisant depuis le web browser comme nous l'avons fait tout à l'heure, ou alors en venant tout simplement sur notre porte, étant sur paquet traceur, nous maintenons la touche Alt et nous cliquons sur la porte avec le clic gauche de la souris. Nous cliquons, la porte s'ouvre. Et si j'actualise la liste des mails, on voit qu'un mail vient d'être envoyé disant que Monsieur Hagen, là, la porte de votre garage a été ouverte. Alors, nous voyons que la configuration a été réalisée avec succès. Il est désormais possible pour l'utilisateur ou alors pour Monsieur Hagen, là, ou Madame Hagen, là, de savoir à tout moment ou alors d'être notifié à tout moment que lorsque sa porte de garage s'ouvre. Alors, si nous avions plusieurs d'autres équipements connectés à notre carte SBC, il nous serait également possible de savoir lorsque ces équipements sont en activation. Par exemple, si nous avons une machine à café comme celle-ci, que nous la posons, nous la connectons et que nous retouchons notre script Java qui a été inséré dans notre carte SBC, alors la carte SBC pourra détecter à tout moment lorsque la machine à café se met en marche et ainsi notifier un utilisateur, l'utilisateur concerné. Pareil, si nous mettons un détecteur de mouvement ou alors un capteur de proximité, un détecteur de proximité, lorsque le détecteur de proximité sentira qu'il y a quelque chose en approche, alors un mail sera automatiquement envoyé à l'utilisateur ou alors au propriétaire de la maison. Alors, c'était tout concernant ce TP. Nous allons passer au prochain TP intitulé, qui est le TP numéro 11, intitulé IoT, IoE, projet ISP, modem client et 3G, 4G client. Merci.